Bonjour à tous et bienvenue, je suis Spook5, et aujourd'hui on va flipper tous ensemble avec 5 nouvelles vidéos. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je suis aussi sur Twitter et Instagram pour ne vraiment rien louper. Entrée. Michael et Heather sont un couple d'enquêteurs paranormal. Ils disent également vivre dans une maison hantée, et ils documentent le tout sur leur compte TikTok. Un jour, le couple est tranquillement en train de regarder la télé. Ils vont alors entendre un bruit étrange. Ils sortent leur téléphone et filment ceci. On peut entendre quelqu'un toquer avec insistance à la porte d'entrée. Lorsque Michael va voir, le bruit s'arrête, puis reprend mais cette fois-ci sur celle du placard. Et à chaque fois, il n'y a personne. Alors, que se passe-t-il chez eux selon vous ? Quand mal situé. Cette vidéo vient de la chaîne YouTube Mushmasta. Un jour, il part en famille dans la forêt de Tofino au Canada. Il décide de faire un camp. Et son frère et lui vont jeter un œil aux environs, pendant que les autres membres de leur famille restent au camp. Ils décident de prendre leur caméra parce qu'il y a pas mal d'ours dans le coin. Ils vont alors tomber sur des empreintes qu'ils n'arrivent pas à reconnaître. Puis sur une créature de plus de 2 mètres. Ils font demi-tour et décident de revenir voir ce que ça peut être. Ils vont alors filmer ceci. Okay, this is where we were when we just saw 15 minutes ago, a live, I don't know, some sort of humanoid thing, I don't know. We're in the enchanted forest at Tofino, right by that tree over there, yeah, that one. We saw it. Let's go see if we can. I don't know. What? See, that could be a possible footprint. I don't know. Could be. Like, look. Yeah. Pour eux, ça ne peut pas être un ours vu la façon de se tenir, les empreintes, et les ours du coin ne sont pas aussi grands. Alors, de quoi s'agit-il selon vous ? Quick,
retour au temple. Le youtubeur Urbex Hill se rend de nouveau dans le temple maçonnique abandonné dans l'Ohio. Nous avons déjà vu sa précédente exploration dans cet endroit. De nouveau, Chris se balade dans les couloirs. Il va alors tomber sur quelque chose que je ne vais pas vous montrer. Un chien en décomposition sur un tapis rouge. Il a dû se passer quelque chose de terrible ici. Chris poursuit, et il va filmer quelque chose de très étrange. La chaise bascule seule. Comme le dit Chris, cela pourrait être le vent. Mais au vu de ce qu'il va se passer plus tard, Chris sera de moins en moins rassuré. Une porte tombe et une autre se met à s'ouvrir lentement après ça. Pour Chris, pas de doute, cet endroit est hanté par quelque chose. Le youtubeur décide de s'en aller juste après ça, mettant un terme à son exploration. Malsain. La chaîne YouTube Thrift School est centrée sur l'achat et la revente d'objets d'occasion. La plupart de ses vidéos se passent dans des brocantes ou des magasins d'occasion. Il n'y a donc rien à voir avec le paranormal. Pourtant, dans une de ses vidéos, il va se passer ceci. And that's one good thing about doing this for so many years. I kind of know just by looking, right? I don't have to scan every single one of these things. Now, prices always fluctuate, so I always recommend scanning everything. Lorsque le youtubeur tourne le CD, on peut voir un visage flippant derrière lui. Pourtant, le youtubeur est seul, et au début, on voit bien qu'il n'y a personne derrière. Alors, de quoi s'agit-il selon vous ? And that's one good thing about doing this for so many years. I kind of know just by looking, right? I don't have to scan every single one of these things. Now, prices always fluctuate. Surveiller. La chaîne YouTube Nightwatch Exploration est centrée sur le paranormal en tout genre. Des explorations, des traits d'horreur, ce genre de choses. Un soir, le groupe se rend dans un hangar militaire abandonné sans trop connaître son histoire. Ils ne savent pas si le lieu est hanté, mais quoi qu'il en soit, l'ambiance est pesante. Et plus tard, dans leur enquête, ils vont filmer quelque chose de terrifiant. Holy bro, there's no way
Whatever that. Listen. That's just thunder. That's thunderbolt. What the was that? There's no way that whatever we just saw could run through here that through here. Fast. I mean, look how thick that bush is. Look at this. There's no way we would have heard. He would have been all f***ed up. Holy I knew there was something back here. On peut voir un visage les observer discrètement depuis la porte. En allant voir, il n'y a pourtant personne. Alors, que se passe-t-il dans ce hangar? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like et le commentaire gentil qui va avec. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo flippante.